Si vous voulez avoir des gemmes sur Clash Royale et sur le nouveau jeu Brawl Stars assez facilement et gratuitement, je vous conseille d'aller voir en description sous la vidéo où vous avez un lien pour les gemmes gratuitement. Et vous aurez donc une vidéo pour vous expliquer comment avoir des gemmes gratuitement et facilement. Donc voilà, c'est parti, on commence la vidéo. Go! Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour savoir comment installer Brawl Stars, donc le nouveau jeu de Supercell. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas trop à l'installer sur iOS. Donc là, c'est principalement sur iOS. Sur Android, il n'y a pas encore l'application. Et s'il y aura l'application, je pense que ça sortira en APK d'abord. C'est-à-dire que ça sortira sûrement dans les pays anglophones. Puis après en France, plus tard. Donc il y aura sûrement un APK et je ferai également une vidéo pour Android. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont sur Android. Donc là pour iOS, donc j'ai le jeu ici, il marche, hein, pas de soucis. Je peux vous le lancer, puis je vais vous montrer donc comment avoir ce jeu vraiment très très facilement. C'est vraiment très très simple. Faut se créer un compte canadien en fait. Attendez, je récolte ça, voilà. Donc voilà, ça marche nickel. Donc en fait, faut se créer un compte canadien. Donc vous allez sur votre iPad, iPhone, etc. Vous allez sur l'App Store. Là, vous allez descendre tout en bas. Donc dans sélection, hein. Là, je suis dans sélection, catégorie, tout ça, sélection, tout en bas. Là, vous allez cliquer sur votre identifiant. Vous allez faire se déconnecter. Parce que normalement, vous êtes sur un compte français. Donc là, vous faites ça. Puis après, vous faites se connecter. Là, vous allez faire créer un identifiant. Donc là, vous allez créer un compte canadien, tout simplement. Donc là, on va mettre, voilà, Canada, c'est déjà mis. Vous, ce sera France, déjà mis. Et vous devrez chercher donc Canada, ça sera assez, ce sera par ici. Donc là, je fais suivant pour Canada. Ensuite, voilà, bah, on fait accepter. Voilà. Là, vous mettez le mail que vous voulez. Donc moi, je mets un mail spécialement pour la vidéo. Donc on va mettre test@gmail.com. Je crois que le mail est déjà pris, donc je vais changer juste le début. Ah, je vais mettre ça. Mot de passe, bon, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets juste pour la vidéo. Hop là, voilà. Là, vous choisissez, hein, les questions, vous choisissez. Moi, je mets n'importe quoi, juste pour vous montrer en vidéo. Là. Et tu mets ça également. Là, vous mettez un courriel au cas où si vous perdez le mot de passe du mail. Donc là, vous mettez votre mail. Moi, je mets un mail spécial. Là, vous mettez votre date de naissance. Donc voilà, vous choisissez, hein. Vous pouvez mettre au pif, mais bon, je vous conseille plutôt une date comme vous voulez. Au pif, ça marche aussi. Donc là, vous faites suivant. S'abonner au truc, c'est pas la peine. Au moins 8 caractères. Donc mot de passe 8 caractères. Donc on va rajouter quelques lettres. Ah, il faut le même mot de passe par contre. Attendez, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. 1 et T majuscule. Donc il faut que je retienne. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je sais plus. 5, 6. Je crois que c'est ça. T majuscule. Je sais pas si c'est le même mot de passe. Et je me suis trompé de mot de passe. Attendez, on va le changer en haut parce qu'en bas c'est bon. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. T. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas ça non plus. Ah si, c'est ça. Donc là, vous avez donné de facturation, vous mettez aucune carte. Donc là, code, cadeau, vous n'en avez pas. Là, vous choisissez, voilà, vous mettez ce que vous voulez comme prénom. Enfin, voilà. Là, non. Alors, prénom, ouais, mettez un truc assez canadien. Genre, je sais pas comment il y a des Canadiens. Moi, je mets par exemple un truc en ish ou en h. Vous mettez un truc comme ça, quoi. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets ça par exemple. Donc là, le plus important, ça va être la rue, l'adresse. Enfin, ça va être l'adresse et la ville. C'est le plus important. Donc là, je vais vous montrer une adresse. Mais le mieux, c'est de chercher sur Google. Donc là, je vais vous montrer. Donc, alors, on va mettre adresse canadienne sur Google. C'est ce que j'ai fait pour me créer mon premier compte. Et donc là, vous allez chercher tout simplement une adresse canadienne. Donc moi, je vais dans images, comme ça j'en ai plein. Et donc là, par exemple, on a une petite adresse canadienne. On va mettre celle-là que j'ai déjà... Ouais, on va mettre celle-là que j'ai déjà mis. Ensuite, ville. Alors là, vous mettez Montréal. Mais mettez, cherchez une adresse avec Montréal et vous pourrez changer de rue. Là, vous choisissez l'état, parce qu'il y a plusieurs... Enfin, c'est des provinces, mais voilà, plusieurs provinces. Imaginons, mais Nouvelle-Écosse. Donc là, vous allez chercher sur Google... Nouvelle-Écosse, Canada, code postal. Pour mettre le code postal juste en bas. Donc là, vous allez. Donc là, est-ce que j'ai un code postal qui pourrait être pas mal? Est-ce qu'il y en a un qui est là? Attendez, on va chercher sur Google. Pour les codes postales, les chercher sur Google, c'est mieux. Ah, c'est bon, j'en ai un. Donc B0A, A majuscule, espace B1A.
Donc ouais, vous pouvez faire pareil, mais juste changer la rue. Et après, au niveau du code postal, vous changez, par exemple, vous mettez A0B au début. Vous pouvez changer les lettres de place, ça peut marcher. Là, le numéro de téléphone, vous mettez n'importe quoi. Donc 1, 2, 3, alors là, c'est 3 chiffres, barre 4 chiffres. 1, 2, 3, barre 4 chiffres. Voilà. Donc là, vous faites suivant. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est en train de chercher. Ah non, code postal n'est pas valide. Le code postal n'est pas valide, je me suis trompé. Ah, c'est parce que j'ai... Ah, Nouvelle-Écosse, ouais, pourtant, c'est ça. On va chercher là, vite fait. Donc ouais, il faut que le code postal soit cohérent avec la province. Donc là, j'en ai trouvé un. Enfin, j'en ai trouvé un. Donc là, vous mettez Québec, Montréal, Québec, QC, Québec, comme vous voyez. Et donc là, vous allez mettre H3Z2Y6. Je trouve que c'est bon. J'espère. Normalement, là, c'est bon. Ils mettent, vous pouvez... Ouais, vous pouvez obtenir de l'aide et tout ça. Normalement, celui-là, c'est bon. Donc, vous mettez celui-là. Montréal, Québec, H3Z. Oui, H3Z, 2Y6. Si ça marche pas, vous mettez 2Y7. Là, c'est sûr que ça marche. Mais normalement, là, ça marche parce que ça... Là, ça met erreur. Tout simplement parce qu'en fait, ben, j'ai essayé trop de fois, c'est pour ça. Mais donc, une fois que vous aurez fait ça, vous allez faire suivant. Ensuite, le compte sera... Ça sera bon. Vous aurez le compte directement... Alors, attendez, j'annule. Vous aurez le compte directement en bas à gauche. Ils vont vous demander, évidemment, ils vont vous redemander le mot de passe et de vérifier votre compte. Donc, bien sûr, mettez votre vrai mail, vous. Votre vrai mail, enfin, un vrai mail, quand vous vous inscrivez. Tout simplement parce qu'en fait, il faudra vérifier son compte. Et après, une fois que vous avez vérifié le compte et que vous êtes connecté dessus avec le mot de passe, vous allez chercher Brawl Star. Hop là. Et puis, vous allez installer. Et donc, normalement, là, ça va vous redemander le mot de passe. Donc là, vous mettez le mot de passe du compte et puis voilà. Et donc là, vous l'installez et vous l'ouvrez. Et donc voilà, vraiment un tuto très très simple pour ben, jouer au jeu sur iOS. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Comme ça, vous pouvez jouer en avant-première parce que là, je pense que le jeu il va sortir quand même plus tard en France, dans un ou deux mois. Et sur Android, pareil, ça va être un petit décalage de un ou deux mois par rapport à iOS. Donc je pense Android au plus tôt deux mois et iOS au plus tôt un mois. Donc c'est pour ça que je vous fais cette astuce. Et donc pour Android, dès que la PK sort sur Android, je vous montrerai comment l'installer sur votre appareil Android. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux qui sont sur Android et même ceux qui sont sur iOS. À partager la vidéo, à commenter la vidéo. Allez, ciao, ciao.